là comme étant membre MTV, fondateur parti MTV. Je me trouvais que c'est un bagage qui est intéressant, qui est extraordinaire, que un nouveau parti politique qui est souterrain, un nouveau parti politique qui a structuré tête. Je crois que c'est un bagage que le pays a besoin, un parti politique moderne qui fonctionne de manière moderne et qui un fonctionnement moderne qui pour moderniser pratique politique en un pays. C'était un jour côté où tu as présenté manifeste parti. Son journée côté où tu as présenté statut parti. Donc, nous avons dit son lancement officiel parti. Et en même temps, nous avons commencé à inscrire les gens pour parti. Donc, nous et Mayo qui sommes là, objectif lancer 1 million de membres pour 2020. Donc, ça m'a dit un pile travail, ça m'a dit un pile structuration, ça m'a dit un pile persuasion. Et nous avons fait en sorte que nous impliquions les jeunes en pile et après que. Pratiquement toute machine partie, c'est des jeunes et des femmes qui prennent ça en main. Donc, c'est un gros défi que nous avons tête nous. 1 million de membres pour 2020, un parti moderne pour 2020. Un parti moderne, côté que les pralgues modernes, côté les pralgues élections, c'est que tout le monde va le choisir, il a choisi à partir de primaire. Que nous avons fait en un parti. Moi, ça veut dire que nous sommes toujours dans une conjoncture extrêmement difficile. Côté, nous n'avons pratiquement pas de gouvernement depuis des mois. Nous avons un bon dossier qui est traité, dossier corruption. Le peuple haïtien a demandé, par exemple, de traiter, par exemple, dossier massacre La Saline, massacre Carrefourfeuille, problématique corruption. Bon problème qui là, mais que le gouvernement actuel n'a pas voulu traiter. Donc, nous croyons que, en plus, nous avons une échéance qui peut arriver devant nous là. En janvier, nous n'avons pas de parlement encore. Tant que ce soit l'administration qui échoue, parce que même l'élection mi-mandat n'est pas fait. Et en même temps, nous avons des gens qui voulaient quitter le pouvoir avec répression. Bon, répression qui gagne surtout dans le quartier populaire. Et bon, gros malais qui pendait sous tête pays, c'est que. Si pendant 2 prochaines années, nous avons le pouvoir pour faire répression dans le quartier populaire, ça veut dire que nous pouvons arriver à l'heure, l'élection n'est pas faite, mais ces élections sont faites, sont élections magouilles qui pour mettre une bonne lot corrompu sous pouvoir. Donc, nous croyons que ça prend une pile d'implications citoyennes pour que les choses changent, pour que l'autre l'État, l'autre constitution, afin que nous gagnions de vraies élections qui pour permettre de femmes et de garçons qui connaissent, qui ont compétences, viennent administrer le pays pour ne pas changer une mauvaise situation côté tout le monde vivre actuellement. Moi, je trouve ça triste en pile. Ça fait la première fois que nous prenons le rater le 1er janvier. Je crois que définitivement, c'est le peuple haïtien qui peut faire un genre pour voter de dirigeants qui sont capables et qui comprennent les défis qui fait pour les vendre dans le pays. Donc, moi-même, ça m'a aimé que c'est dans la prochaine année pour nous tomber dans le même bagage encore. Et c'est ça qui fait que nous travaillons dans le futur grand groupe MTV pour nous avoir de jeunes garçons, de jeunes femmes qui décident vraiment pour bagaille au marché dans le pays. Nous pas qu'à tout le temps pour nous tomber dans tout problème ça yo, pour arriver dans le 1er janvier, fête pas qu'à fêter, monde pas qu'à sortir, l'école pas qu'à ouvrir. Nous pas qu'à continuer dans le bagage ça encore. Lis-le, lit-en pour tout le monde sortir à le voter. De jeunes garçons, de jeunes femmes qui sont honnêtes, qui sont compétents, qui ne pas dans la corruption et qui veulent travailler tout bon pour le pays avancer, qui ne pas seulement veulent travailler pour tête par eux, pour petit clan par eux, pour petit groupe par eux, pour petit famille par eux.